Salut, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller voir ma boutique. Il y a des tas d'objets à l'effigie de mes vidéos, du roleplay prison, du roleplay école, des vidéos avec mon fils et plein d'autres choses. Donc tu trouveras des t-shirts, des mugs, des sacs, des stickers et plein d'autres choses. Donc le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller acheter des produits et moi je vous souhaite un très bon visionnage. Et bonjour tout le monde, Soxyboz, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et aujourd'hui les amis, on va faire plein d'activités. Et en plus il y aura Carlos normalement. J'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, pensez à lâcher un maximum de pouces bleus comme d'habitude. Et évidemment abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, je sors des vidéos tous les jours. Bref, comme d'habitude je tenais à vous remercier pour tous vos soutiens et tout. Parce que j'avais sorti des vidéos en avance parce que je me suis fait opérer. J'ai eu que des messages gentils. Et du coup en deux jours il y a eu beaucoup de nouveaux sponsors. Donc voilà, merci beaucoup à Exo, à Ezio974BTW, à ThéoYTP, à OximoSkiller, Alex mon prénom, Lilia, Virginie, Rosely, Ludivine, je crois c'est un W mais ça se dit Ludivine je pense, CraftCubeFafa et Caral100. Merci beaucoup à vous, ça fait trop plaisir. Je vous rappelle, ce sont des abonnements payants les sponsors et ça permet vraiment de me soutenir à partir de 5€ par mois, c'est sans engagement. Et voilà, c'est le lien qui est dans la description, le lien devient membre juste ici. Donc voilà, alors pour les t-shirts c'est la même chose. Et bien voilà, les t-shirts Teespring c'est juste en dessous. J'ai sorti des nouveaux modèles et ça vous a super bien plu. J'ai déjà eu des ventes donc merci beaucoup. Je vous rappelle que je vais recevoir celui-là. Alors comme c'était férié, j'avais oublié, mais du coup je l'ai pas reçu. Et du coup j'irai le chercher dès que je le reçois, parce que je le reçois chez mes parents, j'irai le chercher directement. Je vous le dis tout de suite. Et d'ailleurs il y a pas mal aussi de gens qui m'ont envoyé des photos de leurs t-shirts et tout. Donc je vais tout simplement vous les montrer juste après. J'attends juste Carlos tout simplement qu'il arrive. Et normalement on ira les visiter ensemble. Bon, ça, oh ouais, Carlos, je suis là. Carlos, je suis là. Je suis là. Bon, tu me perds, tu es Oxyboz. Carlos, je suis devant toi. Ah oui, Oxyboz, pardon, je pensais que t'étais du Oxyboz. Non, je suis pas du Oxyboz, je suis Oxyboz normal. Oxyboz, j'ai quelque chose à te proposer. Qu'est-ce que t'as à me proposer? Je sais, toi, moi, depuis tout, hier, on a fait une soirée avec la fille, là. Qui ça, la fille? Ma copine, notre copine. Ah, notre copine. Tu parles de Léa, mais c'est ta copine en amie, hein, pas en amour, on est d'accord? Oui, t'inquiète. Ok, tu me soulages. Oui, en amour, c'est bien ça. Non, en amie, on est d'accord, en amie. Oui, en amie, oui, on est des meilleurs amis jusqu'à la vie. Ok. Du coup, je vais te demander, parce que tu veux, je peux t'aider à tout débarrasser. Ah oui, bah justement, j'étais en train de dire aux abonnés, faut débarrasser tout ça. Mais juste avant, là, je dois remercier les gens qui ont acheté des t-shirts et qui m'ont envoyé des photos, tu veux venir avec moi? Oh, ouais, bah oui, j'ai envie de voir ça. Moi, j'ai envie de voir les nouveaux t-shirts. Allez, en plus de ça, t'as vu, il y a un nouveau magasin qui a ouvert et on dirait toi sur le magasin. Bon. Je l'ai pas dit aux abonnés, mais vous vous rappelez dans la vidéo d'hier, il y avait une énorme grue. Et ben, en fait, c'est fini. Regardez, Léa, elle ne travaille plus dans cette épicerie là. Elle a fermé, il n'y a plus rien. Et en fait, bah regarde, là, il n'y a plus de grue non plus. Et il y a un supermarché qui a ouvert. Voilà. Je l'ai pas vu, moi, que c'est bon, ça. Eh bah si, bah ouais mais tu l'as pas vu mais voilà. D'ailleurs tu m'avais pas dit aussi avant la vidéo, c'est pour ça que tu venais, que t'allais dîner avec des amis ce soir, des potes. Oh ouais, t'inquiète pas, ce soir deux amis, je vais dîner avec... Bah si tu veux on peut aller faire les courses aussi pour toi là, pour ce soir, regarde. Oh t'inquiète, je vais me débrouiller aussi. Oh ça joli. T'as vu c'est Apu et regarde, y a toi, c'est ton œil. Ah oui c'est moi, mais c'est pour ça qu'ils m'ont demandé 500 000 €, c'était pour faire ça. Ah, d'où tu sors 500 000 euros, toi? Ah, y a quelqu'un qui m'a toqué chez moi, il m'a dit « Carlos, j'ai besoin de toi, je fais ta kill. » Il me dit « J'ai besoin de ton argent, je fais pas d'accord, tu vois. » Ah, et du coup, ils ont fait un magasin avec ton argent. Oui, pour me remercier, ils ont mis mon oeil. Bon, bah voilà, si t'as besoin d'aide, bah après, on ira faire les courses pour ta fête, ok? Ouais, bah, t'inquiète pas. Ouais, ok. Bon, du coup, on va aller dans le magasin de vêtements. Oh, ce blocteur. Carlos, t'ouvres la grille, c'est bon. Oh, merde, je ne connaissais pas. Bon, Carlos, voilà, vous commencez à le connaître. Alors, le magasin, tu le connais. Voilà, ouais, je le connais. Tu vas pas être bloqué. Et du coup, regarde, il y a eu des nouvelles photos. Alors, elles sont là, je crois. Non, elles sont là. Regarde, ça m'a fait marrer. Regarde, il y a quelqu'un qui a acheté un sticker Oxymos, il l'a collé sur son vélo. Ah, bah c'est vraiment. T'avais pas pris le même sur ton t-shirt, toi en plus? Si, j'ai le même. Ah, bah la chance, il a le même logo que toi maintenant. Ouais, en plus sur son vélo, c'est-à-dire quand il va faire du sport, il va penser à moi.
Alors là, c'est vrai, il va faire un dommage à un vélo Oxybos. Ouais. Et là, du coup, il y a d'autres personnes qui m'ont envoyé. Donc là, c'est Zea.ptth. Alors, je crois que c'est sa sœur, du coup, qui m'a envoyé eh bien, une photo de son frère ou de son petit frère. Du coup, avec le t-shirt, regarde, c'est moi et toi en plus! Ah, mais je veux. Mais. Alors là, c'est moi, je suis sur le t-shirt Oxybos. T'es sur le t-shirt, t'as vu ça? Tu penses pas comment que ça se fait que je suis sur le t-shirt? Bah justement, on a fait sur la boutique, regarde, il a pris celui-là. Il a pris celui-là là. Regarde là-haut, il a pris celui-là. Ah Regarde. ouais, bah, le même, regarde, ils sont pareils. Si on le met à côté, c'est la même chose. Voilà. Ah ouais, bah là, franchement, ils sont de bonne qualité alors parce que c'est exactement pareil. Bah c'est pour ça que je mets, pour que les abonnés voient, c'est pour ça que je mets la vraie photo sur le site et la photo en vrai, quand les abonnés commandent. Eh ben franchement, ça te demande de du coup de se taper acheter des t-shirts parce que là, franchement, à mon avis, tous ceux-ci sont contents de leur achat là. Ah ouais, et du coup là je crois que c'est un t-shirt et il m'avait aussi envoyé un sac mais l'image elle a bugué. C'est trois personnes différentes je crois. Donc merci beaucoup à vous, vous reconnaîtrez hein, pour ceux qui ont fait. N'hésitez pas à coller des stickers. Si vous achetez plein de stickers logo Oxymos et que vous les collez partout, genre sur des panneaux, bon évitez de faire ça. C'est vrai que je donne un peu le mauvais exemple, mais si vous le collez, souvent dans la rue je vois des gens qui collent des stickers sur des panneaux, sur le poteau des panneaux. Hein. Soyez pas bêtes, les collez pas sur les panneaux pour pas que les. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Carlos? Oh, Carlos, mais qu'est-ce que t'es réel, ça? C'est vraiment beau. Bon, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à prendre des photos de d'où vous collez vos stickers si vous en achetez et tout. Il n'y a pas que ces stickers avec mon logo, il y a des stickers pour tout. Par exemple, ce design-là, il existe en sticker, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Tous, en fait, tous, ils existent en sticker. Voilà. Et là, c'est la première photo de sticker que je reçois. Carlos, arrête de tester tous les habits. Oh, bah, je regarde le fait quelque chose. Oui, t'es beau, Carlos, t'es beau. Pourquoi tu Oh, regardes un costard? maintenant, c'est pour ma soirée ce soir avec les garçons. Ah ouais, tu vas faire une soirée avec. Pourquoi tu ne suis pas Ouais. invité? Parce que c'est les garçons qui ont pas de cheveux bleus. Ah ouais, donc moi j'ai des cheveux bleus, je peux pas rentrer. Oui, oh, c'est ça, voilà. Il Oh, faut pas avoir de cheveux bleus t'es pas cool. pour rentrer. T'inquiète pas, un jour on ferait d'autres soirées où c'est bon. Bah. De toute façon, j'avais pas trop le temps. J'ai pas Oui, trop le non, temps. toi, t'es beaucoup occupé. Ouais, je suis beaucoup, beaucoup occupé. Ok, bon, en tout cas, c'est super beau. En plus, regardez comment je suis beau gosse, moi aussi. Ah ouais, les burgers. Toi, arrête de te mettre torse nu devant les abonnés, toi. Bah bon, t'inquiète pas, ils adorent les biceps de Carlos. T'es musclé, mais quand même, faut pas le montrer à tout le monde. Oui, Bon, d'accord. du coup, tu voulais essayer ça? Tu voulais qu'on tu m'aides, tu voulais m'aider à jeter toutes les décos et tout? Ah bah ouais, là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout enlever. Maintenant on va pas les jeter aussi bon, faut les recycler. Ouais, t'as raison, faut les recycler. Bon bah au pire. T'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? Je les donnerai à mes amis, t'inquiète, ils vont savoir quoi en faire. Ah mais non, mais sinon il y a des trucs, ça sert à rien de les prendre. Hein. Ah bon, genre quoi? Bah il y a des trucs qui sont pas réutilisables, genre les fleurs et tout, elles doivent être fanées maintenant. Oh c'est pas grave, vous pouvez. On ira les replanter aussi bon, on les mettra dans l'or. Bon écoute, si tu veux tout récupérer, bah fais ce que tu veux, mais voilà. T'inquiète, Waouh. je me servirai de faire quelque chose de bien avec. Ok, tu comptes en faire quoi? Ben rien du tout, j'irai l'acheter à la poubelle, t'as raison. Ah bah voilà. Et la poubelle des verts chez moi, c'est mieux. Là ouais, Il y a plus de place. la poubelle verte. Vas-y, du coup non, c'est pas par là, viens, on passe par là, c'est beaucoup mieux. Ouais, Voilà. ça passe tout. Ah ouais, mais là il y a des trucs à jeter en plus, hein. Wouh! Ah bon, Bah mais oh, non, quoi? c'est récupérable en vrai. C'est récupérable. Bon, Ouais, alors moi je prends le truc de vin, je prends les chaises, tac. Bah, tu me donneras à tout si bon après, hein? Ah, tu veux que je te donne tout? Bon, Ouais, c'est un signe. je tire mes bons doigts. Tac. Allez, je prends le tapis rouge. Voilà. Non, ça c'est pas de la déco, ça fait partie de mon jardin déjà. C'était là C'est avant. pas grave, c'est pas grave, je pense. Non! Eh, tu vas pas me voler des trucs! On va Mais pas. bon. Surtout que t'as dit que t'allais les jeter. Bah oui, je vais acheter la poubelle, donc c'est bon, Mais tu c'est as pas clair. acheté une fontaine qui était déjà là avant? Ça fait partie de la Oh là déco, là! mais. Sous là, bon, je la repose ta fontaine là, t'es vraiment de facile là. Bon, vas-y, continue de faire tes trucs, je dois parler à mes abonnés. Bon, les amis, je trouve ça vraiment bizarre. Je sais pas pourquoi il veut garder les décorations. Voilà. Bon, attendez, juste, genre, il veut faire. Je sais pas pourquoi. Je vais récupérer juste les trucs avec les cœurs pour pas qu'il les prenne. Voilà. Ça, il a pas de raison de les prendre. Donc là. Non! Quoi? Donne! Non, c'est bon, on a tout, c'est bon, il faut qu'on jette tout dans notre bombe là, faut pas faire de gaspillage. Je sais, mais je vais m'en charger de ce truc-là. Ah bon, t'inquiète, Carlos il s'en charge. Faut pas Mmh, t'inquiéter bon, pour ça. vas-y.
Bon, les abonnés, comme je vous ai dit, là, je trouve vraiment bizarre, Carlos. Je sais pas pourquoi il tient tant. Vous avez vu, il est venu directement, il est en mode, ouais, viens, faut débarrasser les trucs. Et là, j'ai temporisé pour aller dans le magasin. Et là, il revient à fond, prendre toutes les décos. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il veut en faire. Il dit qu'il va les jeter, mais je le crois pas. Je pense qu'on va l'espionner après, hein, c'est pas possible. Et ouais, par téléphone, il m'a dit, ouais, t'aurais pas un bon magasin parce que je dois acheter de la nourriture et tout. Donc, et là, je sais pas, il change d'avis, il dit qu'il veut plus trop acheter de la nourriture. Peut-être qu'il va aller en acheter en scred, parce que maintenant que je lui ai donné le conseil, il sait où aller en acheter, donc on va aller l'espionner, voir s'il va acheter de la nourriture en magasin, et après bah on va voir ce qu'il y a, on va voir, parce que j'ai des gros doutes. Là il parlait de Léa tout à l'heure et tout au tout début de la vidéo, donc on verra bien. D'accord, hein, je dois partir, alors je te sers tout ça à la poubelle. Ouais bah tiens, mais attends, t'oublies les trucs. Ah, vraiment, t'as de voir tout, c'est bon, bon c'est ça, je te donne pas. Ça, je te donne. Un petit boss, déjà de boire tout, je vais m'en débarrasser, t'inquiète pas. Bon, tiens. Oui, voilà, hop. Voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure, allez, moi je m'en vais, hein. Je reviens chez moi. Ouais. Surtout, ne viens pas chez moi, il y aura du monde. D'accord. Les amis, je vais l'espionner. Alors, bon, la soirée, c'est pas tout de suite. Heureusement, c'est pas tout de suite. Ça serait bien de l'espionner un peu plus, je vais aller vers chez lui. Tac. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va vraiment les jeter? Est-ce qu'il va vraiment les jeter, les amis? Ça, j'en suis pas si sûr. J'aimerais bien voir parce qu'il a des poubelles chez lui. Donc, j'aimerais voir s'il les met vraiment dans les poubelles. Alors, on va aller voir. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Mettez un gros pouce bleu, c'est super important. Allez. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il réinstalle tout. Ah, ouais, mais c'est pour sa soirée. Ah, mais le malin! Ah mais le malin, il osait pas dire qu'il avait, il voulait acheter des trucs de décoration. Ah du coup il, pour sa soirée il ah ouais d'accord, il réutilise des trucs de ma soirée avec Léa pour sa soirée alliée. Ah ouais, il est pas con en fait. Ah ouais. Ok, bon bah ça a l'air d'être une soirée avec beaucoup d'amis. Ah non, les fauteuils, c'est les fauteuils de d'habitude. Je croyais qu'il avait rajouté des fauteuils. Bon, j'aimerais bien voir qui c'est ses amis parce qu'il m'a jamais parlé d'amis. Bon, ok. Oh, il met les cœurs. Et dans une soirée avec des amis, tu mets pas des cœurs quand même. Attendez, regardez ce qu'on va faire. On va aller prendre un truc à la maison. Et on va lui dire, ouais, t'as oublié ça et tout, juste pour rentrer dans sa... Pour voir ce qu'il fait. Voilà. Hop. Mais c'est bizarre qu'il aille pas au supermarché. Genre, là, il va... Sa soirée, y'a rien de... Y'a rien. Alors, je vais prendre... Ah, je vais prendre ses bacs à fleurs. Enfin, je vais dire, t'as oublié ça. Hop, 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 voilà. Comme ça, je vais voir pourquoi il met des cœurs. Allez, go, on y retourne. On y retourne, les amis. Oh, ça devient un peu chaud quand même, là. Je vous le cache pas, ça devient un peu chaud. Alors. Hop. Ok, donc là, on est chez lui. On va faire comme si de rien n'était. Hop, ouais. Oh, Carlos! Carlos, waouh! Il y a d'autres avant en service. Tiens, t'as oublié ça à la maison, regarde. Il y a d'autres avant aussi. Tiens, t'as oublié ça, Carlos. Fais rien de moi. Alors, nickel, je savais qu'il me manquait quelque chose pour ma soirée avec mes cœurs. Dis donc. Ah ouais, mais c'est ce que je me disais. T'as réutilisé les trucs de la soirée pour toi, ta soirée avec tes amis. Non, je vais à tout racheter, Simon, c'est du neuf. Mais non, je reconnais. Ouah, je suis dans. Ah bon, peu. Arrête, Carlos. Mais attends, mais si c'est une soirée avec tes amis, pourquoi t'as des cœurs? Oh putain, il y a tous mes copains qui s'aiment, donc c'est bon, tu peux pas comprendre ça. Ok, ouais, mais je sais pas, tu m'as jamais parlé de tes copains, je suis pas invité, c'est un peu triste quoi. Oh là là, ben, je vais pas te raconter toute ma vie non plus. Non, mais je sais, mais c'est un peu dommage quand même. Moi je suis triste. T'as pas confiance. Bon, les femmes, tu aimes pas les hommes, c'est bon. Non, j'aime. Non, je suis attiré par les femmes. Eh ben mes deux copains, eux ils s'aiment entre eux, moi je les aime pas, mais j'aime bien, ils sont sympas, du coup je vais parler avec eux. Bon bah vas-y, bonne soirée alors, bon. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Bon, il commence à me saouler, à mentir là, j'ai l'impression qu'il me cache quelque chose, donc regardez, il continue à mettre ses trucs. Bon, c'est quoi? On va rester ici, à sa maison, tant qu'il sort pas pour aller au magasin, on l'attend. Parce que là, il a rien à manger, hein. Peut-être que c'est bon, ses amis qui... Après, je pense qu'ils sont prêts, tac, voilà, bon. Je pense que je vais aller faire des courses. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que je vais prendre pour le petit repas? Je vais aller voir ce qu'il y a. Il va sortir. C'est par où déjà? Qu'est-ce qu'il va montrer, Simon? Je crois que c'est là-bas. Je suis pas sûr.
Go, on le suit, les amis. Chut. Attends, il va falloir que j'excuse lui parce que je veux pas que je passe des manches oxymores. Il va me demander encore qu'est-ce que je fais là. Oh là là. Elle est là ou pas? Oh merde, faut que je me cache. Je pense qu'il a pas. On est pas dans le monde. 20 mètres qu'avance. Bonge. Ça, bon, j'ai vu aussi un esquivé. Il va pas vu, je crois. Ouais, les amis, il va du coup, il va au supermarché comme je le pensais. Il va acheter de la nourriture, mais je veux voir ce qu'il va acheter. Hop. Alors, c'est quoi ça, ceci? Non, ça, je crois que c'est un hôtel. Okay. Eh ben, quoi que, ça passe bien de te louer une petite chambre ce soir pour ma maison. Oh, c'est seulement cette mes amis qui voudraient. Bon. Voilà. Bon, c'est pas ses amis qui viennent, vous avez entendu. C'est parti, les gars, on va aller. Oh, bonjour, t'inquiète. Hop, attendez, on va. Oh purée, on l'a perdu du vite, 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 faut le rattraper. Ah, le magasin de Carlos, c'est mon magasin, ça. Bon, je vais prendre un caddie. Il va carrément dans un caddie. Ok, coucou, on rentre. On va essayer d'être discret. Alors, on va un gâteau. Des sushis, parce que. Elles adorent ça. Bon, attendez, les amis, ma caméra va se couper. Hop, voilà, tac, tac. Voilà, c'est bon. Ok. Vous savez quoi? On va faire semblant de rentrer dans le magasin et de vouloir acheter des trucs aussi. Ok. Voilà, qu'est-ce qu'on doit être. Des carottes, ça va aimable. Mais pourquoi pas? À quoi que les. Oh, bah, Carlos? Mais qu'est-ce que tu fais encore ici, Oxymor? Bah, je suis allé acheter un dessert pour ce soir. Moi aussi, j'avais envie de me faire un petit repas assez cool. J'ai bien l'impression que t'es en train de me suivre, Oxymor. Non, je te suis pas du tout, Carlos. Je voulais acheter un dessert pour moi ce soir. Ah ouais, jure-le que c'est vrai maintenant ce que tu me dis. Je le jure. Ouais. Je... Ok, bon, je te crois, Marty Oxymos. Bon, c'est parti. Bon, et toi, carte. Tu vas faire des courses pour quoi, toi? Bah, pour ma soirée de ce soir, je Ah oui, pardon, désolé, j'oublie. Bon, du coup, je rentre à la maison, ok? Je rentre à la maison. Ah bah oui, au revoir, Oxymos. Au revoir. Ok, bon, les amis, là, il a pas cramé que j'avais rien acheté, tant mieux. Bon, je me suis. Là. Okay. Oh, là, je pense qu'elle va être contente. Il dit elle va être contente alors qu'il parlait qu'il y avait que des gars. Par contre, il est reparti avec le caddie, il s'en bat les steaks. J'espère que cette soirée va être inoubliable, mieux que celle d'hier. Parce que hier, c'était bien, mais bon, je me suis pas trop amusé. Celle d'hier, il parlait de moi et Léa. Non, ne dis. C'est pas ce que je pense quand même. C'est pas ce que je pense. Il va falloir commettre un truc ici qui va plus vite à terre, je vais. Parce que là, franchement, ça, c'est trop long pour aller chez moi. Bon, vous savez quoi, les amis? Ce que je vais faire, c'est que là, je vais attendre la soirée, du coup. Je vais attendre qu'il fasse nuit et après, je vais aller les espionner, ok? Enfin, les espionner, oui, parce qu'il va y en avoir plusieurs. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Ok, les amis, c'est bon, j'ai patienté, j'ai regardé la télé et plein de vidéos de Oxymos de ma propre chaîne, et oui. Donc voilà, et j'ai fait un petit tour sur la boutique aussi, évidemment. teespring.com/store, stores/Oxymos. Et regardez, il fait totalement nuit. Donc là, j'ai entendu du bruit vers la maison de Carlos, donc on va aller le voir. Bien sûr, on va l'espionner parce que voilà. Je vous jure que je suis en stress depuis tout à l'heure. J'ai des sueurs froides, je me sens pas bien. Je sens que c'est un mauvais. J'ai un mauvais pressentiment, les amis. Dites-moi si en commentaire vous avez aussi un mauvais pressentiment. Si vous pensez que ça va mal se passer. En tout cas, moi je sais pas pourquoi. Je sens que c'est pas une soirée avec ses amis. Il a pas de amis humains. En tout cas, il m'en a jamais parlé. Bon, allez, on va attendre. Ah, bon, c'est la sushi à manger. Tiens, c'est bon, tu te régales. Ah oui, c'est meilleur qu'hier. Hein. C'est la voix bien. De Léa. Attendez, je vois pas Léa, mais c'est sa voix, c'est sûr. Je vais aller derrière. Il y a même la petite bouteille de vin si tu veux boire une goutte. Non. Oui, oui. Vas-y, serre-toi, c'est fait comme chez toi. Hein. C'est moi qui ai la bouteille. Okay. T'as vu la décoration? C'est encore mieux qu'hier, bien vrai? Ouais, c'est super joli. C'est moi qui ai tout acheté, les décorations. Moi, je te le dis. Hein. Wow. Mais Carlos, il est sérieux. Voilà. Bon, franchement, t'es vraiment ravissante aujourd'hui. Bon, j'espère que je te plais aussi, hein, avec mon petit costume. Oui. Bon, je l'ai acheté juste pour toi, en plus, juste pour te faire plaisir. C'est trop gentil. D'accord. Bon, du coup, on va passer un petit gâteau juste pour toi, juste pour ton petit sourire, parce que t'es vraiment trop mignonne. Wow, non, c'est bon, j'arrête, j'écoute plus, je bouche les oreilles. Les amis, vous êtes sérieux? Vous avez vu ce qu'il fait? Vous avez vu ce qu'il fait, Carlos?
Je suis son ami, vous avez vu ce qu'il me fait? Il a... Eh, je me disais, vous savez quoi? Je vais vous dire un truc entre nous. En fait, j'ai eu un pressentiment entre le moment où il faisait jour et le moment où il faisait nuit, quand je regardais mes vidéos et la boutique. Bah, je vous ai pas dit, mais j'ai envoyé un SMS à Léa et elle me répondait pas. Elle m'a juste laissé un vu. Et en fait, c'est parce qu'elle était déjà avec Carlos. Mais elle est sérieuse. Mais elle est pas gentille. Et, ouah, mais Carlos, mais il est sérieux, il me dégoûte. Tu peux dormir chez moi. Ouah, allez, c'est bon, vas-y. Eh, les amis, vous savez quoi? Là, il n'y a plus de... Vas-y, j'ai briquet. Alors, je vais brûler sa maison à Carlos. C'est, au moins, ça va faire diversion. Au moins, tu passes la journée. Bah oui, oui. Oh, ouais, non, c'est bon, je vais plus entendre ça. Allez, on brûle sa maison. On met plein de feu. Allez, voilà, ça se propage. Quelle soirée formidable, j'espère que tu n'oublieras pas cette soirée. Hein. Ah, non, ouais. Non, ça risque pas. Mais j'ai une question, tu préfères blanc ou oxymose? T'hésites encore entre... Oxymose. Ah, ça, t'inquiète. Bon, bien, tu nous donneras la réponse. Un jour, tu diras, bon, ben, mon préféré, c'est Carlos. Verra. Ok. J'espère qu'il va s'en... Oh, ça sent bien, tu trouves pas? C'est vrai, il y a une odeur bizarre là tout d'un coup. Ça sent crameux. Ah ouais, je crame ta maison. C'est quoi cette odeur? T'es gay, tu sens toi l'odeur? Ah bah oui, tu sens l'odeur. Bah c'est quoi ça? Je crois que ça vient d'odeur. Oh, merde, non. Vite, on se cache dans la maison d'en face. Alors. Vite, ok. Qu'est-ce qui se passe tout ça? Bah y'a rien. Ma maison! Ma maison, mais Léa, t'es où? Là, il y a le feu. Dans le feu, vite, appelle la pompière, vite. Je vais monter en haut, je vais faire pipi dessous. Ah, ça a marché. Je suis en train de gâcher sa soirée, les amis. Ça a marché. Car vous nous gâchons notre soirée, notre magnifique soirée, elle allait tomber amoureuse de moi. C'est vraiment d'un peu plus. En tout cas, le frangerait dans celui qui a fait ça, je vais appeler le docteur, inspecteur Carlos. Il va aller voir qui ça. Ah, c'est bon. Elle est en train d'éteindre le feu, merde. Léa, il y a encore du feu. T'as dit, je crois. Vite. Non, c'est bon. Je vais rallumer le feu à un autre endroit de la maison, les amis. Attendez. Du coup, je pense que c'est bon, elle pourrait reprendre notre repas. Vas-y, viens, on rentre. Quoi, mais normalement, elle devrait refuser. Sa maison vient de cramer, wesh. Hop là, c'est parti. Bon, attendez. On va continuer de brûler sa maison. Là, on va pas y aller de main morte, là. Bien, je vais tirer ta chaise. N'hésite pas à t'asseoir, juste aussi. Ok. Bon, est-ce que t'as envie de boire une petite goutte de champagne avec moi? Bah oui. Allez, tiens, je t'en sers. Hop là, toute goutte de champagne. Oh, le feu de ouf. Oh, attendez. C'est encore bizarre là. Vite. Ouais, c'est encore le crabe, je trouve. Vite, viens, fais le tour. Oh, le feu. L'arrière. On va aller faire ça vite. Bah, ça sent de plus en plus fort, mais c'est incroyable. Ah, mais ça brûle pas devant, c'est bizarre. On va aller regarder l'arrière, c'est partout. C'est bizarre ça, qu'ils sont en train de... Oh putain, ça brûle l'arrière. Oh. Ça brûle encore plus que tout à l'heure. Merde. Oh putain, c'est pas très cool ça. Non, il m'a pas vu. Oh là là. Bon, je sais pas qui c'est, hein, t'inquiète pas. Mon avis va être grosse vengeance. Non, il sait que c'est moi. Il m'a vu de loin. Avec son gros œil. Tu peux aller de l'autre côté de devant s'il y a quelque chose? Oui, j'y vais. Ah ouais, super, parce que moi j'avais quelque chose à faire. J'ai quelque chose, petit truc à régler, moi, avec quelqu'un. Non. C'est bon. Non, il arrive avec une arme. Vite, les amis. Non. Ok, les amis, je vais aller me cacher. Il arrive. Il est où? Les amis, on va courir. Je vais devoir arrêter la vidéo là tout de suite, les amis. On se retrouvera plus tard. Là, c'est... Non. Mais je pensais pas que ça allait finir aussi mal à cause de ces conneries là maintenant. Oh là là. Bon, les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura quand même plu. Mettez un gros pouce bleu, super important. Allez voir ma boutique de t-shirts. Mettez plein de commentaires. Partagez la vidéo à tous vos amis. Et s'il vous plaît, abonnez-vous pour voir la suite. Franchement, là, Carlos, on va bien lui expliquer que ce qu'il a fait, c'est très mal. Merci beaucoup à tous les amis et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, c'était Oxymose pour vous servir. Allez, ciao.